Can I show you footage? This is the wave of Justin. Yeah. Look at this. This is huge. Maybe breaking a record, no? Holy shit. What is she? She make it? No way. Holy shit. Did you see? That's what I'm talking about. One sentence to sum up Justine's performance yesterday for me is years and years and years of time in the ocean all coming together at one point. If you're gonna have a day of days, that was the day to do it. Ce jour-là, les conditions elles étaient juste magiques. Il n'y avait pas de vent et une très grosse houle, donc ce qui est très rare à Nazaré. Fred, il a vu une vague qui était particulière, qui était différente. J'ai lâché la corde sur une bombe atomique. Maintenant, c'est à moi de jouer. Et là, je me dis, vis ce moment à fond. À fond. C'est maintenant. Ça va durer que quelques secondes, mais c'est maintenant. Je suis partie sur la vague, je commençais à aller de plus en plus vite. Sentir que la vague devenait tellement immense derrière moi, c'était presque effrayant, mais excitant. Elle était en train de se lisser sous mes pieds. Moi, je fusais. Et là, j'ai senti l'explosion derrière. Je me suis fait recouvrir par la mousse. Et je sais pas, c'était un petit moment juste magique où t'es dans la vague et tu fais un avec elle. T'es même plus en train de surfer, t'es dans la mousse. Il y a tout le temps qui s'arrête. Et hop là, je suis sortie de la vague. Et c'était juste dingue parce que j'étais encore sur ma planche comme ça. Et il y avait Fred et Clément qui avaient le smile jusqu'aux oreilles. Et là, boah, t'as pas besoin de parler. Hein. Là, on avait tous compris qu'on avait pris la vague. Et c'est là que tu te rends compte que ouais, on fait tous ces entraînements, ce temps dédié à ça pour vivre ces émotions-là. Et voilà, on l'a vécu, j'ai surfé la plus belle et grosse vague de ma vie. Le 11 février 2020, à Nazaré. Just off the top of my head, it looks pretty, it's definitely a contender for the biggest wave I've ever ridden. I'm one of the judges for that, so I've got a pretty good eye. It's a good ride, no? For anybody. You don't have to say it's for a girl, it's for a human. It's an amazing feat, so you don't have to be a girl or a boy.